pourrait être ça, non? On ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Quoi? L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. Très bien. Est-ce que c'est lui? Bonjour. Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez, passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille? Plus tard, mon frère. Parle-moi de cette pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne arrogant? La tête! J'ai de la peau. Mais c'est vrai, j'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref, tiens, et sois prudent. C'est magnifique. Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez. Viens, il nous faut un bateau. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très sûr. C'est là toute la nuance, petit frère. Un édifice après ces rochers derrière moi. Nous devrions nous en approcher. Ah, ces maudites tours de forage. C'est quoi ces tours? Le Skald a raison de m'en vouloir. C'était mon idée. Si tu as le temps, elles sont dans la baie au bout de ce tunnel.
J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant, Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Alors, par où on va? On peut se préparer encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. Mimir, c'est toi qui as fait construire toutes ces tours? Odin voulait avoir les nains sous son contrôle et... Eh bien, je l'ai convaincu d'acheter leur allégeance plutôt que de l'exiger. Un accord commercial, en quelque sorte. Frère, as-tu jamais pensé à cuire de la viande avec ces larmes? Non. Elle l'affecterait. À cause de la magie en elle? Tu sens. Ah, oui. Oublie ce que j'ai dit. Une des tours de forage est ici? Vois la fumée au-dessus de nous? C'est là que nous allons. Voyons si nous pouvons l'arrêter. Travailler pour Asgard. Pourquoi ne pas arrêter? Et ensuite? Leur nouvelle forge empoisonnait les sols de Svartalfheim. Dans l'incapacité de cultiver leur nourriture, ils devaient l'acheter à Asgard. S'ils avaient arrêté de travailler, ils se seraient ôté le pain de la bouche. Oh, c'est rusé. Et affreux. Yggdrasil pour Muspelheim. Tu crois qu'elle mène à l'arène de combat qu'on a vue la dernière fois? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je crois que j'aimerais bien. Relever le gantelet de Surt, c'était amusant. C'était de l'entraînement. Tu ne t'es pas amusé? D'accord. Bien. Nous devrions trouver la seconde moitié de la graine. Quand elle sera à nouveau complète, nous verrons où elle mène. Oh! Traverser maintenant. À droite, mon frère! Ah,
n'arrête jamais. Il perdra. Elle nous envoie ses calamités sans aucune retenue. Il nous suffit de l'éliminer. Derrière toi. Déborder de matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous servir au passage. Accepter le pacte avec Asgard. Pourquoi ils t'en veulent ? Je les ai conduits à leur exploitation. C'était leur choix. Creuse ou crève, ce n'est pas un choix. Je l'ai seulement présenté comme tel. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldre sauront quoi fabriquer avec. Non ! Père, est-il toujours moral de tuer une créature qui cherche à te tuer ? Oui. Tu as ta réponse, petit. Comment sais-tu quelque chose ? Je les ai fait construire afin d'extraire du minerai pour l'armement, privant ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir.
Si on arrête ces tours, les nains retrouveront leur indépendance? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose. C'est encore un de ces geysers, mais il est énorme. On devrait peut-être y aller plus tard. Nous le voyons très bien d'ici. Mimir, combien d'histoires as-tu raconté sur Odin et Thor, et tous les méfaits qu'ils ont commis? Voyons de combien on peut se souvenir. Père a besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Ma mémoire n'a pas besoin d'être rafraîchie. Ils ont attaqué notre maison. Je sais, mais je parle d'histoire. De tous les autres gens à qui ils ont fait du mal. Alors, il y a eu Tamur, le tailleur de pierre. Oui, qui est sorti une nuit pour trouver son fils avec qui il s'était querellé, mais n'a trouvé que Thor. Et puis il y a eu Rimtur. Le fils de Tamur. Qui a érigé les murs d'Asgard et a murmuré quelque chose d'important à l'oreille de Freya avant d'être trahi et assassiné. Il y a eu Groa, bien sûr. La gardienne du savoir et prophétesse du Ragnarok. Thor a tué son... Nous continuerons plus tard. Il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. Tu sens cette fumée? Pourquoi les nains avaient-ils accepté de travailler pour les As? C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. On peut sûrement se balancer à ce truc à lever. Portique. Portique. Merci. Pas tout à fait.
Ça doit être au bon niveau. C'est ton nom. Hop. Belle mise en pratique. On pourrait faire s'effondrer le sol ici, si tu trouves un endroit assez haut d'où t'es lancé. C'est étonnant que les nains n'aient pas arrêté ces tours. Certains ont essayé. Les Eneriars en ont fait des exemples. Ils ont tué des nains. Tu n'aurais pas pu les en dissuader ? Hélas. Impressionnant.
Ça devrait aider. Oh!